La Fondation de coopération scientifique Rovaltin apporte son soutien aux recherches développées par Stéphane Ravanel du laboratoire de physiologie cellulaire végétale à Grenoble et par Nathalie Verbruggen du laboratoire de physiologie et de génétique moléculaire des plantes à Bruxelles. Cette étude se positionne dans le contexte de la pollution par les métaux lourds qui constitue un risque majeur pour l'environnement et la santé publique. Les métaux toxiques présents dans l'air, l'eau et les sols ont principalement une origine anthropique. Ces métaux ne sont pas biodégradables, ils peuvent donc passer dans la chaîne alimentaire et entraîner chez l'homme des pathologies chroniques. Les plantes peuvent contribuer à une meilleure gestion des métaux lourds dans l'environnement. On peut effectivement décontaminer des sols pollués avec des plantes. Ce procédé est appelé phytoremédiation. On peut également réduire la contamination de la chaîne alimentaire en sélectionnant des variétés végétales contenant peu de métaux toxiques. Pour développer les approches de phytoremédiation et de sélection variétale, il faut identifier de nouveaux mécanismes de réponse et d'adaptation des plantes aux métaux lourds. C'est l'objectif de ce projet soutenu par la Fondation Rovaltin. Pour atteindre cet objectif, les laboratoires partenaires utiliseront des plantes naturellement tolérantes aux métaux toxiques. Plus précisément, nous utiliserons Arabidopsis aleri, une espèce proche de la moutarde ou du colza qui possède des propriétés exceptionnelles d'accumulation d'un métal très toxique, le cadmium. Dans ces plantes, nous étudierons plus particulièrement des processus impliqués dans le contrôle de la fonction des protéines. Ces processus se nomment les modifications post-traductionnelles.